alors mon Pierrot, tu fais la tête? Bah, je suis un peu déçu. Ah bah d'un autre côté, ça tombe bien. Hein. C'est les déceptions là. Les déceptions du salon. Et voilà. Et la première, c'est celle-là? Elle est là. C'est une Infinity. D'accord. Ça c'est du cristal, c'est ça? Ouais, c'est du cristal mou. Ouais. Pourquoi mou? Bah, si on savait, on pourrait l'expliquer. Mais tu vas voir, c'est pire sur le côté encore. Viens, on va voir. Viens. Ouais. Et à moi ça là. Et les projecteurs sont trop puissants peut-être? Ah peut-être. Non, moi j'ai l'impression qu'elle s'incurve vers le centre. D'accord. Elle s'affaisse. Elle s'affaisse. Ouais. Peut-être besoin d'un petit marbre peut-être. Ah ouais, un petit marbre. À l'époque ils faisaient ça à la règle des fois, hein, on se dit que c'était pas plus mal. Hein. Ouais, les années 80. C'est bien dommage. Hein. Allez, on passe à la suivante. Il y en a d'autres. Alors, deuxième déception du mondial, mais. Ouais. Moi je la connais déjà cette voiture, non? Ah, tu m'étonnes. 2007, elle est née, c'était une fétiche. Ouais. Bleue à l'époque. Oui, bleue, beaucoup plus basse. Ouais. Avec des portes. Ouais. D'accord. Et maintenant, c'est un petit côté Méhari là maintenant. Hein. Ouais, avant c'était Speedster Renault, maintenant ouais. C'est Méhari. Ouais. Méhari du riche. D'accord. Oui, mais Venturi, ça recycle, hein. Ça recycle, c'est comme ça. Allez, troisième déception, ouais. On y va. Mon Pierrot, t'es tout jeune, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, j'ai mangé peut-être un truc à midi. Non, en fait, c'est la Peugeot 2008 Concept. Ah ouais, je suis aveugle. Oui, c'est un bonheur pour les ophtalmos, je pense. Pourquoi elle se retourne du fluo? Ouais, ça, je me demande. Hein? Est-ce que c'est vraiment utile de faire revenir le fluo? Ouais, non, ouais. Que ce soit pour vêtements ou les baskets non plus. Moi, Non plus. Non, hein. Non, on valide pas. Non. Bon, non. Allez. Tu te souviens de Mitsubishi, cette marque qui faisait des voitures de rallye auparavant? Bien sûr, la Lancer, tout ça, ouais. Tu sais qu'il y avait même la Colt Turbo dans sa gamme. Hein. Dans les années 80. C'est pas une illusion qu'on avait, c'est pas un mirage. Ah, peut-être un mirage, si. Ouais, si, c'est un mirage. Un mirage bien réel. Patrick, oui, je te propose un petit jeu. Oui. Patrick, je te propose un petit jeu. Oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est espagnol ou est-ce que c'est tchèque? Tchèque ou espagnol? Est-ce que c'est froid ou c'est chaud? Est-ce que c'est du nord ou du sud? Du nord ou du sud? Chaud ou froid? C'est bleu. Bah, allez, grise. Oui. On a été transposé au Paris Tuning Show, là, je crois. Hein. On dirait bien. Hein. Franchement, c'est pas beau de vieillir. Hein. Non. Non. C'est pas beau. Ouais, elle était tellement plus belle avant. Donc bon, la série des déceptions du mondial. Elle est là la plus grosse. Hein. Voilà, comme d'habitude, Lamborghini. C'est une italienne. Elle a la plus grosse.